Nouveau pays, les Pays-Bas. Salut, avec Elliot, nous nous emmenons à l'aventure. C'est parti. Je crois que je vais prendre le grand pont là-bas pour aller à Tholen. Donc voilà, c'est trop cool. Bon, bah je viens de me trouver un petit bonbon au soleil avec vue sur le pont que je viens de passer et derrière moi il y a un bout de la ville de Tholen. Les Pays-Bas, c'est plat, mais qu'est-ce qu'il y a comme vent? Bon, je viens d'arriver au camping, et heureusement parce qu'en fait... Le pneu est tout à plat de nouveau, je viens de crever. Mais je vais faire changer le pneu parce que là, il est défoncé ici. Donc je pense qu'il y a un truc qui va pas avec les pneus. C'est pas possible de crever deux fois comme ça, aussi rapidement, aussi rapproché. Il y avait le camion de glace qui était en train de passer dans le camping. Et à la sortie, bah, je me suis dépêchée pour en avoir une. Et en fait, il y avait le gérant du camping. Bah, résultat, c'est lui qui me l'a offert. Donc, c'est cool. Je vais me mettre les deux chambres à air l'une sur l'autre. Et au même endroit. Là, c'est l'ancienne que je viens de réparer. Et là, la nouvelle. Celle qui vient de crever. Il y a un truc forcément dans le pneu pour que ça s'abîme pile au même endroit. Donc, je prends l'opposé de la roue. Et en fait je crois que j'ai trouvé là, le pneu. Il est tout abîmé. Il n'y a pas rien de trop même. Le doigt passe à travers. Bon, je viens de gonfler la roue. Sauf que ben, ici. Là, ça. Ben, ça touche la chambre à air. Donc je sais pas combien de temps ça peut me tenir. Si ça peut tenir à 3 km jusqu'à chez le réparateur. Donc je dégonfle un peu, j'essaie de mettre un truc pour protéger. C'est un mystère. Bon, ben, j'ai mis un scotch, on sent la bosse, mais je pense que ça va protéger un petit peu la chambre à air le temps du trajet chez le réparateur. Bon, mission douche. Il y a un énorme miroir, il y a une porte pour pas tremper les mains fermes et en prime il y a une prise électrique pour charger mon téléphone en même temps. Génial. Bon, j'ai le nouveau pneu, plus qu'à démonter celui-là. À le changer. Regardez ce nouveau pneu, si luisant. Et en plus, il a même un petit capuchon transparent pour la chambre à air. Bon, j'ai pas réussi à le monter moi-même. J'ai demandé au monsieur de l'atelier. Et voilà, nickel. Là, il était prêt à refaire 5000 km. Bon, bah voilà, c'est le premier moulin que je vois. Maintenant, je vais aller en direction de La Haye. Aujourd'hui, j'ai décidé de longer la côte ici. C'est super joli. Et
je viens de prendre le ferry là-bas, enfin juste pour traverser la rive. Il y a des gens qui m'ont aidé à prendre le ticket. Et maintenant je vais aller direction deuxième panneau. Voilà. Bon bah je suis en train de faire comme le porte-conteneur à gauche. Je suis en train d'aller rejoindre le large, la mer. Tout au bout là-bas, ce sera la mer. J'étais en train de me demander qui est-ce qui venait prendre le pique-nique avec moi. C'est l'heure du petit déjeuner. Et a priori, de la bonne herbe. Du petit déjeuner et ma copine elle est revenue. Bon bah me voilà à la haie. C'est super joli. Je suis là, je vais essayer de prendre la route là, qui va longer toute la côte.